dit qu'il avait là-bas un appartement tout blanc qui donne sur la mer, comme dans un tableau de... Non, en fait, ce sera pour aller voir une tombe. Une tombe. Vous savez, une tombe. Parce que tout au bout de la ville, il y a un cimetière, paraît-il, tout blanc. Matisse, le peintre Matisse est enterré là. Sa tombe est nue, avec un bouquet de fleurs rouges, toujours les mêmes. Quelqu'un, on ne sait pas qui, une femme peut-être, vient l'échanger tous les jours. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit que j'avais très envie de voir cette tombe, alors voilà, hier j'ai reçu ce billet. Mais bon, si je pars, j'ai peur de ne pas revenir. Un petit carnet pour noter. Pour noter quoi? Oh, une histoire, un bout de rêve, une phrase que j'ai lue dans un livre. Je passe mon temps à noter. C'est une manie absurde. Pourquoi absurde? Parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est inutile de le noter, on s'en souvient. Et c'est votre journal aussi? Ça? Oui. J'écris tous les jours, je m'oblige à écrire tous les jours, c'est comme un travail. J'écris ce que je vois, ce que je fais, des gens que je rencontre, tout. Vous n'avez pas peur qu'on le lise? Oh si, l'autre jour, j'ai perdu un de mes carnets. Carnet, oui. Depuis ça, j'arrête pas de faire des cauchemars. Je rêve qu'on le retrouve, qu'on vient me demander des comptes sans arrêt. Et il y a des choses terribles, des choses que je n'ai jamais dites à personne. Vous pourriez me lire quelque chose comme ça? Enfin, au hasard? Lundi 7 juillet. J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendue la plus heureuse. C'est joli, non? C'est de vous? Non, de Jules Renard. J'ai lu ça dans son journal. Attendez, il y a une phrase très drôle que j'ai notée l'autre jour, il faudrait que je la retrouve. Est-ce que vous voulez un petit peu de café? Non, non, merci. Dites-moi, est-ce que vous aimez séduire? Franchement, je crois pas. Mais on aime tous séduire, non? C'est moi, moi, c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit. C'est-à-dire? Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt, un peu d'attention, je ne résiste pas. Je voudrais faire autrement, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais les hommes doivent en profiter, non? Alors je les laisse tomber. C'est très inattendu parfois. Par exemple? Je sais pas, il peut souffler d'un mot, d'un geste. Pour eux, c'est sans importance, mais pour moi, c'est suffisant. Ça suffit pour que je me rende compte que... qu'il n'y a rien de commun entre nous. Et après, vous les revoyez plus? Ah non, ça, je peux pas. Des gens que j'ai aimés, je cherche toujours à les revoir.